Alors quand je suis partie, j'ai vu que tout le monde partait très vite, alors je me suis dit que j'allais pas tenir. Mais finalement, j'ai vu qu'il y en avait qui avait lâché, on était tous les deux. J'ai vu qu'il était fatigué, du coup j'ai accéléré. Et j'ai essayé de garder mon rythme et j'ai gagné du coup. Bravo à tous les enfants pour cette course du 1 km qu'ils sont en train de brillamment terminer tous. J'aide les gens à s'inscrire, à leur donner les dossards et les maillots avant les courses. J'aime la vie associative au Chênaie, c'est le moyen de rencontrer des gens de tous les univers et c'est toujours très convivial. 3, 2, 1, go! Le parcours, j'ai trouvé assez facile. Enfin, j'ai eu de bonnes sensations tout du long. C'est essentiellement du plat, donc on peut beaucoup accélérer, dépasser les concurrents. Et j'ai fait un bon départ où j'ai bien commencé, mais pas trop fort. Et après, j'ai pu accélérer pendant toute la course. J'ai déjà participé une fois, oui. Ouais, c'est vraiment une bonne course, ouais. C'est avec grand plaisir que depuis de nombreuses années, je participe au foulées. D'une part pour l'UPAC, où je fais des photos, mais aussi pour le Caméra Club du Chênaie, où je fais de la vidéo. Donc l'ensemble permet de couvrir un peu l'événement. Donc il y aura un premier départ pour la journée de l'histoire. C'est bon, Anaïs, c'est bon ! Ouais ! Ouais ! J'ai vraiment apprécié la course, le parcours était vraiment sympa dans l'Arboretum. Moi c'est la première fois que je fais la foulée chênaisienne, ça faisait quelques années que je pensais à la faire parce que ma grand-mère elle est bénévole sur le parcours tous les ans et à chaque fois elle me demandait de la faire mais ça tombait mal dans le calendrier. Donc cette année j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit c'est le moment de se faire plaisir et de faire plaisir aussi à ma grand-mère. Donc, et je ne regrette pas d'avoir fait la course, vraiment comme je disais, super course, super parcours. J'ai longtemps habité au Chênaie, donc la Chênaisienne c'est un peu ma course de cœur, c'est la première course que j'ai jamais faite. Voilà, je la fais chaque année. C'est plus ou moins plat, donc bon voilà, il faut toujours un peu relancer. Mais les supporters pendant la course sont très encourageants. Je me suis bien sentie pendant toute la course et puis j'ai réussi à remonter jusqu'à doubler la deuxième, la première et puis arriver première. J'aime beaucoup cette course et en plus on a eu du beau temps, c'était super. Nous nous retrouvons à la fin de cette 16e édition de la foulée Chênaie Courtoise. Plus de 860 inscrits, beaucoup de familles, beaucoup de jeunes. C'est un vrai moment de partage. Je veux resaluer évidemment, on les a salués en début de course, Dune d'Espoir qui avait permis à la petite Anaïs de courir avec nous. C'est un très joli moment de solidarité. Remercier tous les bénévoles, ceux du LC, ceux qui tout au long du parcours nous accompagnent, tous nos sponsors sans lesquels cette course ne pourrait avoir lieu. Et vous donner évidemment rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de cette foulée Chênaie Courtoise. Merci beaucoup. Thank you.